Par contre, j'aime bien parce qu'ils sont quand même propres pour résoudre un véhicule. Révolution, révolution. Oulala, c'est gilet jaune sur Home Life, les gars. On est parti, regardez. Vous essayez de le crocheter depuis 5 minutes. Ils comprennent rien. Par contre, monsieur le gendarme. N'importe quoi. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. On s'entend pas en couille, c'est un truc de. Ouais. Et alors les gendarmes. Nous par nous contre, les gendarmes avec votre van, là, vous êtes toujours en infraction. Mais ça rebouge notre truc. De quoi? On manifeste, on a le droit de manifester, non? Attends, collègue. Monsieur, on n'est pas armé, on est pacifique, vous n'avez pas à sortir votre taser. Ouais, mais quel avertissement? On fait une manifestation, on bloque la route, on a le droit, non? C'est le bordel. Il y a des gens qui rentrent dans la grue sans autorisation là. Et puis de toute façon, je veux pas être méchant, mais vos véhicules bloquent aussi la route, donc le camion. L'eau. Il est où l'eau? L'eau. Allez faire vous-même, accrocher des véhicules illégalement. Il est où l'eau? Manifeste aussi. C'est bizarre. L'eau. C'est bien les dépanneurs. Est-ce qu'il est l'eau? Bon, ouais. Ah, il y a la grue, tu sais pas la fermer parce qu'il y a un guignol qui s'amuse à rentrer dedans tout le temps, ouais, là, le mec en bleu là. Tu pourrais arrêter toi? Ouais, toi. Dégage ou sinon on va te marrer de la gueule. Viens verrouiller ton... J'emmerde. Bah on pisse dessus, espèce de moustachu, va. T'es un connard. Oh, il frappe. Vas-y, il frappe. Bah, frappe-le aussi, tiens. Je sais pas comment on fait. Tu fais E. Ah, y'a un gars en bleu contre les gilets jaunes. Ouais, il est contre les gilets jaunes et il cardiaque les véhicules. Eh, monsieur le gendarme, le type qui court avec le gilet jaune, il essaie de. Sans gilet jaune, le type en bleu, il essaie d'ouvrir les véhicules des panneurs pour piquer le matériel. Ouais, révolution. Il est parti à droite là, il court. Et il va vers les pompiers. C'est le mec qui court là qui est vers la gendarmerie là. Révolution. Révolution. Il recommence. Eh, monsieur le gendarme, venez, monsieur le gendarme. Eh, vous arrêtez, vous? Dégage. Vous arrêtez? Ils ont pas attaqué comme ça, gros. On est des... Vite, monsieur, au lieu de... Eh, les gendarmes, vous êtes en infraction. Qui essaye d'ouvrir nos véhicules. Vous êtes en infraction. Les personnes qui tirent dans la Trinité depuis tout à l'heure, non? Ouais, je sais pas, c'est peut-être plus dangereux, non? Monsieur, le gendarme... Y'a quelqu'un en bleu qui rentre dans la grue. Eh, le gendarme, on payait pas pour Ouh, gendarme. Le mec avec le truc jaune là. Ouh, gendarme. Ouh, monsieur le gendarme. Oh, tranquille, toi. Le monsieur avec son truc bleu là, vous pouvez me suivre? T'es pas à côté maintenant. Oula, ouais, le touche pas, tu fais. Bon, vous arrêtez là, c'est bon. Eh, y'a le monsieur en gilet jaune, vous pouvez l'arrêter, il essaye de crocheter nos véhicules. Ouais, tu fais quoi toi? Le monsieur en bleu, pardon. Fais quoi toi? Avec ton sac là, pourquoi tu m'as frappé? Oui, il t'a défendu lui. Bah, y'a quelqu'un qui m'a frappé en tout cas. Mais oui, c'est le type en bleu, il frappe tout le monde. Un beau chapeau en plus. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que vous m'avez frappé. Moi? Je vous ai défendu dès que j'ai vu qu'il y avait un truc derrière. Ah, d'accord, merci, excusez-moi, mais j'avais entendu taper du coup, c'est pour ça. Non, justement, j'ai dit pourquoi t'es en train de le taper, lâche-le. Ah, d'accord, merci monsieur. Autant pour moi, désolé. Des bons, des gilets jaunes. Ah ouais, pacifiste. Les pacifistes. Je vais revendiquer en paix. C'est le bordel, n'empêche, hein. On dérange un petit peu, mais c'est le but. Moi j'ai mis mon van là, enfin mon sprinter. Ouais, j'ai vu. Bah, tu pourrais le mettre devant le. Bah, je sais pas si je peux le rendre. Comment tu veux que je le rentre? Devant le citerne. Comme ah, devant le citerne, ouais, ça marche. Et là, malheureusement. Bah moi aussi je veux bien venir avec mon printer, mais... Ouais, mais ils les dégageront pas, ils sont en bloc, c'est bon, ils les dégageront pas. Il est pas mort? Attendez. Ah, t'as pas? Ah! C'est comment il s'appelle? Encore. Bonjour? Allez. Ah, c'est Ouais.
Salut qui? Horace? C'était ouais. Pas Ici, c'est le qui. Attends, c'est le qui. D'ailleurs, il faut que quelques secondes, s'il te plaît. Pourquoi? J'avance deux secondes, t'inquiète pas, je vais pas me barrer avec. T'inquiète pas, je me barre pas avec. Attends, monsieur, recule deux secondes. Voilà. Ah oui, comme ça, il peut pas bouger le camion. Voilà, ah, comme ça, il ne bougera pas dans le millimètre. Voilà. Comme ça, il est en train de se faire. Moi, j'ai allumé ma GoPro, je vais montrer aux gens la trinité comment c'est. Ça ira, les politiques. C'est le bordel là, depuis 20h comme ça. Ouais. Ah merde. Tu vois, t'as des trucs de remorquage à l'arrière. J'y vais chaud. C'est quoi, c'est mettre les débidoirs. Ça aurait été bien. Ouais, ça va, ouais. Je suis là en fait, il sert à. Ouais, mais ça va marcher. Eh, hey, descendez de la grue. Monsieur les gendarmes, lui il me frappe tout le temps, mais lui je vais le taper. Ah, mais chiant ce mec, hein! Bon, ils savent pas faire leur travail une seconde! Mais non, mais ils font chier les manifestants, honnêtes manifestants! Le bleu là, il rentre dans la grue et il frappe les gens! Faut arrêter! Bah sinon, on le prouve, on le tape, hein! Bah ouais, bah clairement! C'est le bordel! C'est qui dans la grue? Ah ouais, c'est le patron! C'est le patron, il casse tout! Ouais, il a le droit, c'est le patron! Donc regardez un petit peu! Ah, on est en zone de fight. Ok. Regardez le bordel ici. Oh là là, la dèche. Ah ouais. Oh mon dieu, c'est bloqué jusque là-bas. Oh merde. Yo Horace. Horace! Est-ce qu'il est? Ah, l'autre il se balade à poil là. Dis-moi, je suis à poil. Horace? Oh là, y'a un camion en plus qui arrive. Wow. Ah, Romain il a pas de radio. Là, ah, ok, parce que. Ouais, t'es où? À côté de ma ville, à gauche. Ok, ah, ok. Horace? Désolé, monsieur, je ne vous connais pas. C'est sérieux? Non, ça va jusque où? Ça va jusqu'à la deuxième grue ou ça va jusqu'à la fin? Même encore plus loin. Oh putain, le bordel! Ça va jusque pratiquement la station service. Oh la merde! Toute la trinité. Par contre, ta grue elle fonctionne. Ouais, t'es en train de bander là, t'es en train de bander ta grue, mec. Oh là là, là. C'est vraiment la merde. Hein. Je vais aller chercher mon sprinter. Vas-y, tu veux que je t'emmène? J'hésite à soit aller chercher au niveau du garage ici mon véhicule et aller jusque là-bas pour aller plus vite. Sinon j'ai mon sprinter qui est juste là, je le prends et on dégage. Ah mais tiens, il sert éviter que les gendarmes bougent le camion. Allo, t'es là? Ouais, au pire. Ouais, il faut laisser l'accès à l'hôpital aussi. Wow. Attention, t'as une ordure sur ta gauche. Ah non, pardon, c'est un véhicule gendarme. Bon, je vais aller chercher mon véhicule, je reviens. Ouais. Je vais chercher mon véhicule, je reviens. Attends, c'est moi qui arrive ou il va prendre le véhicule gendarme? Oh non! Il va prendre le véhicule gendarme? Il y a un flic qui arrive, il y a un flic qui arrive. L'eau, t'es trop fort! Si tu poses des questions, t'as qu'à dire qu'on t'a demandé de bouger les véhicules qui étaient sur la route. Le respect, il est mort, mec! C'est un dépanneur! C'est un dépanneur! C'est un dépanneur, il a le droit de faire ce qu'il veut! C'est son véhicule. C'est un dépanneur, c'est son véhicule. Monsieur, vous êtes en infraction parce que vous avez pas vos gyrophares. Vous êtes garé en plein milieu de la route. Vous avez pas vos gyrophares, vous êtes en infraction. Ah, attends. Mettez vos gyrophares et dans ce cas-là, on vous fera plus chier. Parce que sans gyrophares, vous êtes en infraction. Je vous ai déjà expliqué. Non, mais il faut qu'ils repassent sur les bancs de l'école. Non, mais faut peut-être faire leur métier à leur place. Ce serait con. Voilà. Je comprends pourquoi on n'arrête pas de réparer les véhicules des gendarmes. Ils se gardent n'importe comment. Oh là, mec, ça shoot. Ça shoot de ouf. Il tue des gens ou quoi dans la gendarmerie? Les gendarmes, c'est des dangers. Profiter que ça vienne de tirer et qu'ils soient un peu emballés là-bas pour prendre son véhicule. Ouf, non, de toute façon, il peut pas vraiment prendre son véhicule. Ils sont tous occupés là-bas. Prendre quel véhicule?
prendre quel véhicule? Putain, c'est pas, moi, c'est pas mon idée. Le camion blanc. Le camion blanc qui est dans le chemin là, derrière votre, derrière votre véhicule. Monsieur, 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 vous nous avez donné il y a deux minutes l'ordre. Ça shoot, ça shoot, pourquoi ça shoot? Allez aider vos collègues, monsieur. Pourquoi ça shoot? Faites allez votre travail. Collègues. Voilà. Ok, hey, il est très fort. Il est très fort. Heureusement qu'il y a des pics. Il est très fort. Vous avez vu, il a laissé une pique. Oh merde, je suis rentré dans la zone, fais chier. Bon, moi je vais aller chercher mon véhicule, frère. Ouais. C'est trop fort. C'est n'importe quoi, c'est le gros bordel. C'est le gros bordel. Non, c'est drôle. Ah non, bah attends, là ça. Pour vous dire, YouTube, il y a 60, il y a 55 personnes. En fait, je suis un peu fainéant, je vais quand même aller chercher mon autre véhicule. Mec, je crois que tu es blessé. T'es blessé? Monsieur les pompiers, monsieur les pompiers. Ah lui, il revient de loin. Nique la police, j'ai fait des infos. Eh, c'est qui l'a tué là? J'ai pris des balles pour vous, lieutenant. Ok, niveau garage, on a quelqu'un qui a été blessé. Ah, merci. Amour. Ah, vous avez changé. Ok, la défaut proposé. Ah, mais ils ont pas une manifestation normale et non, pour que les gens aient dégénéré. C'est le coup. Bon, allez, moi je le soucais. Oh. Oh merde. Oh, jusque là-bas. Il y a 55 personnes in game. Toute Trinité est bloquée. Genre, toute Trinité est bloquée. C'est le bordel. Mais genre, plus le bordel que ça, t'as pas. Oh, oh quartier, c'est la dèche. Oh putain. C'est énorme. Il y a 5, on est 5 dépanneurs connectés là. Oh non, il a sorti sa dépanneuse. Oh le carnage qu'il va faire lui. Aura, c'était un danger. Ah, oula, qu'est-ce qu'il fait? Ah, eh, pourquoi il tire sur mon collègue lui? Ah, eh, pourquoi vous avez tiré sur mon collègue? Ah! Eh, la porte est ouverte! Eh, monsieur, monsieur! Mais la porte est ouverte! Pourquoi vous tasez mon collègue? Ah! Violence! Violence! Pourquoi? Violence! Je suis sur la voie publique, monsieur, vous avez pas le droit de me dire ce que je dois faire! Eh, la porte est ouverte! Il y a une grande grille sur le côté! La porte est ouverte! La porte est fermée maintenant! On est déjà sous-payé! Viens, Horace, on fait comme ça. Horace. Eh, hey, vous oubliez un collègue! Vous oubliez vos collègues! Il a oublié. C'est pas un oubli, c'est juste la pauvre ami, vous êtes suicideur. Ah, donc, messieurs. Oui. Sommation orale. Sommation de quoi? Mais quittez quelle zone? Eh, y'a plus de sommation là, vous venez de tirer. Mais monsieur, monsieur, juste pour information, on est sur la voie publique et la gendarmerie est un lieu public. On me tire dessus. Monsieur, on est pas. C'est honteux. Il allait plutôt embêter le gouvernement. Ah oui, mais la gendarmerie, c'est pour armer le gouvernement. Oui, le gouvernement, le siège du gouvernement, il est là-haut. Eh, pourquoi vous l'avez tasé? Allez, bon, on m'a tasé alors que la porte était ouverte. Bah ouais, c'est scandaleux. C'est honteux. Bravo la gendarmerie, on s'en rappellera. Hein. Vous avez tasé un collègue, j'espère que vous avez des réparations sur vous. Une fois que la porte est ouverte, ça veut dire venez, venez, on vous attend. Non, mais il y avait la porte qui s'était rouverte aussi. J'aurais vous, il vient de. Mais j'ai rien fait! Mais j'ai rien fait! Vous êtes complètement con, vous, hein. Mais on veut. Mais j'ai rien fait! Sérieusement? Mais mec, j'ai rien fait! Eh, hey, mais demeurez là, eh! Mais what? Eh, hey, t'es complètement fou! Eh, hey, sérieusement, tu me tasses, mec, mais y'a plus aucun gendarme qu'on répare, hein! Ok,
What? Mais vous êtes fous. Attends, je suis menotté là. Mais vous êtes sérieux? Mais on a rien fait. Attends, je suis menotté moi aussi. Mais mec, on a rien fait, on parle et on se fait taser et on se fait menotter. Attendez, vous menottez ou quoi? Eh mais je suis les gendarmes. Eh, je veux bien, je suis menotté. Collègue, eh patron, c'est honteux. Bah oui, mais démenottez-moi d'abord. Mais démenottez-nous. Gilets jaunes n'étaient pas mieux, ils ont rien fait. Eh, vous rigolez ou quoi? Eh, messieurs les gendarmes, on vient faire la. On veut bien venir, hein, Torres, mais on est menotté, ça va être cool. Des panneaux qui n'ont rien fait. Tu peux nous démenotter, s'il vous plaît? Caserie. J'entends pas, il y a pas le trop fort. J'ai pas entendu. Ah, ok. Non, mais c'est honteux, on a rien fait et on m'a tasé deux fois. J'entends pas. Merci. Ah merde. Bah ouais, mec, c'est honteux. Reste avec vous, moi, les dépanneux. Eh, y'a un mec qui est tombé là. Eh, what? Mais les gendarmes, eh, c'est nain. C'est partout pareil en fait, hein. Mais on est contre la grille, vous êtes drôle. Mais quelle grille? Mais quelle grille? Ah, celle-là. C'est impossible de taser. C'est abusif un petit peu, non? Moi je suis menotté, c'est honteux, j'ai rien fait. Ah bah vous, vous êtes super insupportable. J'ai rien fait. On est dépanneur, on est menotté quoi. C'est... Ouais, non, c'est abusif. Patron, je vous préviens tout de suite, les gendarmes maintenant ils nous appellent pour gars, des réparations, dirait, ils peuvent aller se foutre au cul. Les gendarmes ils gèrent aussi bien la situation ici. Parce que, hé, on répare leur véhicule sur notre propre salaire. Ici on est juste en mode, voilà, on parle et on rentre un petit peu partout. J'ai pas compris ce que t'as eu. Je suis dehors, je parle et on passe quand même attention. Ouais, mais c'est souvent. Attends, Lo, mais moi je t'explique un truc, je veux bien, mais j'ai rien dit, j'ai juste parlé, on m'a tasé deux fois. Il était dehors, on l'a tasé. Bon, on m'a menotté, j'ai rien fait. Ça passe un peu en plus de fond. Monsieur le gendarme, soit vous m'arrêtez, soit vous me démenotez. Vous allez être lâché, mais en fait, on a des ordres du patron de retirer notre véhicule, donc si on pourrait venir pour libérer la voie, ce serait pas mal. Le truc, c'est que j'entends rien à ce qu'il dit en fait, le gendarme. Je suis démenoté là. Ah, merci, comme ça je peux aller retirer mon véhicule, c'est gentil. Salopard. Je vais retirer mon véhicule. Il est menotté là. Je vais retirer mon sprinter. Mon sprinter. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Hello, t'es là? Il est occupé avec les gendarmes. Je peux laisser là mon véhicule le temps que je récupère mes collègues. D'accord, merci. Collègue, tu vas où? Hors du patron, on retourne au QG. Ok. Vous mettez droite là dans le. Allez bien, c'est bientôt la fin. Oh là là, le bordel. Oh, y'a des véhicules qui sautent sur Trinité. Eh, hey, j'embarque leur véhicule ou pas? On commence à les enlever, hein. Ben, je vais venir chercher une de panneaux. Wouah, ah, YouTube c'est le bordel, il y a 54 personnes dans le game. Je me suis fait taser sans raison. C'était nimble. C'était n'importe quoi, vraiment. Genre je dis rien, je me fais taser. Comme une chouin mec. Non mais vraiment, genre j'avais rien fait. Je n'avais rien fait. C'est abusé. N'importe quoi.
Ouais, d'accord. Par contre, c'est con d'avoir deux armes. What? Elles sont passées où nos places de parking? Ils ont enfin enlevé le border. Ah, d'accord, ouais, parce qu'on rentrait toujours dedans. Hey mec? Oui. On doit faire quoi là maintenant? Il faut aller chercher des voitures. Et pourquoi? À ce qui paraît, il faut aller les vider, je sais pas. Bah oui, mais ça veut dire qu'on va prendre les véhicules des gilets jaunes, je suis pas d'accord. Bah ouais, je comprends pas. Ce qu'on fait, c'est qu'au pire, on part à deux dans une DP et voilà. Oh, mais attends, je vais prendre une radio, moi j'ai pas de matos. Ah bah oui, d'accord, ok. Bah attends-moi au pire. Ouais, bah oui. Ah, t'as pas de matos, c'est pour ça alors. Ah non, je suis mort moi. Ah mais oui, d'ailleurs, tu dois m'expliquer. Ah, je suis mort, c'est tout. Bah comment t'es mort? Véhicule ou je sais pas? J'ai marché sur quelqu'un, j'ai sauté en l'air, je suis mort. What the fuck? Ouais, je suis d'accord. D'accord, bizarre. C'est chelou ça. Ah, je te fais pas dire. Alors. Attends. 55-7, hein. Enfin, 55-7. Ouais, faut que je parle au patron, moi, parce que je suis pas d'accord. Ouais. Patron pour Rastib. Par contre, enlève ton gilet. Quoi? Ah, je sais pas si on peut le garder. Toi aussi, t'as ton gilet. Bien sûr que oui, on peut le garder. D'ailleurs, de base, on devrait en avoir tout le temps. Ouais. Bah non, parce qu'on a déjà des bandes réfléchissantes. Ouais, mais même. Petite. Tu veux une feuille? Ouvert. Il t'a répondu, le patron? Non. Patron pour Rastil. Je t'écoute. Une question, il faut retirer des véhicules sur Trinité, c'est ça que t'as dit? Ouais, tout ce que tu peux. Mais donc c'est des véhicules des gilets jaunes? Tout ce qui bloque. Bah c'est une blague ou quoi? Faudrait peut-être attendre qu'ils se dispersent, non? C'est un peu contre manifestation ça, c'est-à-dire qu'on est avec eux, puis deux secondes après on n'est plus avec eux, je suis pas trop chaud moi. Attends, on va prendre le véhicule des gendarmes qui bloque la route. Ah ouais. C'est une bonne idée ça, non? J'ai pas compris. On prend les véhicules des gendarmes qui gênent la route. Non, ce que Horace disait, c'était que il y a 5 minutes on était avec les gilets jaunes et maintenant on est un peu contre eux quoi. Ils s'en branlent. On va les couilles. Moi je fais fin de service parce que je refuse de retirer les gilets jaunes. Les véhicules des gilets jaunes, donc je fais fin de service aussi. Comme tu veux. Bah fais aussi, allez, soutiens le mouvement mec. Mais attends, il y a plus de véhicules en même temps sur Trinité. Bah ouais, mais du coup, là, vas-y, viens, on arrête, on fait fin de service. Y'a le patron qui s'est fait écraser. Le patron s'est fait écraser? Ouais. Pourquoi vous êtes parti avec vos... Oh merde. Attention. Wouah, mais ne marche pas dessus. Oh, c'est le bronze. Très bien. Ouais, tout sera pas auquel on s'éterne, il sera pas mieux à la fourrière. C'était pas une heure corrompue. Ah, c'est bien connu. Voilà. Qu'est-ce que vous avez avec vos routes mobiles? Moi, je suis touré. What? Les mecs, ils roulent avec des, avec des sabots. Les mecs, ils roulent avec des sabots. Ouais, j'ai allumé une patate, ça m'a valu 10 minutes. Par contre, c'est normal que les sabots, ils cassent pas la roue, là? Je peux savoir pourquoi la RS4, elle a la roue qui est encore en entier, alors qu'elle roule avec un sabot? Ouais, c'est vrai, c'est. Oh non. Mais, la demande des dépanneurs, c'est pas logique. Bah non, c'est qu'une excuse, gros, c'est qu'une excuse. Camion devant, hein. N'empêche, ils ont mis devant une roue pour pas qu'elle marche. Avant les dépanneurs. Ah, ils m'ont bloqué, ils m'ont bloqué là, hein. Oui. Bah, c'est pareil.
Oh là là. Ouais, et monsieur Torres, t'as obtenu quelque chose après la discussion? Le type, c'est le bordel. Bref, nous on va s'arrêter là. Moi je vous dis mes commentaires, partagez avec vous si c'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. C'était Borom, à tout le monde. Plus, ciao.